Yo, salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 9 de Trine 2. D'accord, ça commence bien. Wow, le vol. Nous sommes toujours le même jour, il est 13h11. 11, faut que je me rappelle, donc ça veut dire qu'à 13h30 j'arrête. J'en ai marre, je n'arrive pas à monter. 13h11, je voulais en venir où en fait, j'en sais rien. Je sais plus ce que je veux dire. Ah oui, non, c'est avec toi que je veux. Ah, pardon, je fais une petite coupure au micro parce que j'ai un petit peu enrhumé, j'ai un poil éternué. Est-ce que si je fais ça, ça ne fait rien? Ok. Bon ben voilà comment passer. Tout simplement. Voilà, c'était facile. Je vais être trop court, c'est ça? Voilà, je suis toujours trop court d'un choupette là. Bah, il n'y a pas de... Bon bah, il n'y a pas de... Bon bah, ce sera Amadeus qui va nous faire ça. Non! Mon Pontus bouclier. Pontus, trop fort. On va essayer de passer au level suivant. Il y a quoi en dessous? En dessous, je dis. Ouf, j'étais tendu. Très bien. Suivant. Allez, oh pilote. Oh, chérie. Bon, super, pas utile, mais... Allez, allez, on y croit, on se bat. Bah, headshot. Ah, ça explose les tonneaux découverts. Au bout de je sais pas combien de temps de jeu. Bon. D'accord. Par contre, ça met carrément du temps à exploser là. Allez, Amadeus. Ouh! Non! Non! Bon, je m'en refais un beau. C'est juste, hein? Oh la vache, je prends cher quand même, hein. On en est où dans les niveaux? Là, je peux jouer avec les ennemis, c'est ça? Une évitation de monstres, ça m'intéresse pas. Bon, bah. Ah oui, j'étais tout seul, mais non. Pontus, tu joues en freestyle, hein? What's up?
Donc là. Non, c'est pas ça. Faut que j'arrive à réceptionner ça. Donc là, faut que ça lève. C'est ça. Ah non, j'ai tout perdu. Que ça peut lever ça. Ah. Je suis désolé, ça s'appelle du talent. Hein. Ouais, ou je sais pas résoudre une énigme, mais je fais ce que je peux. Ça passe. Bam! Bon, j'ai fait du massacre en bas. On va voir ce que ça donne. Là, ça ne peut plus aller vers là. C'est-à-dire. Il y a quoi en dessous? Ah bah voilà, c'était ça la question. Ah, je me cherchais. Bon, on va en mettre. Donc ne pas descendre plus bas que ça. D'accord, ok. Je vais me faire avoir trois fois ici, mais. Donc là, bof, ça va être facile là. Non! J'ai ouvert quoi? Qu'est-ce qui sert à quoi ce levier là? Ah d'accord, il sert pour les potes au cas où. Donc en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça sert à rien. Ok, donc faut que j'aille en bas, ça c'est explicite au moins. Oui! Ouah! Que leur dernière heure était venue, Oui. les héros tombèrent dans l'obscurité froide des cavernes. Le noir total les enveloppait, telles les mâchoires d'un monstre indicible. Où était le Oui, Trâne? où était-il? Oh non, pas encore des migales. Bon, déjà c'était pas pareil qu'il fallait aller. Mieux avec les bonnes flèches. Hein. Donc là, on est dans les grottes en fait. Oh non! Oh non! Il y a quelque chose dans cette grotte. Et il ne s'agit ni d'arc-en-ciel, ni de licorne. Oh, j'en ai des frissons quoi. Ah! Putain de sa mère. Ah, oh, les frissons. Ah, oh, c'est horrible. Non, pas tab. Ah, je voulais. Ah, la vache. Non, non. Oh. Déteste les araignées.
Comment on va là-bas? C'est une question pour Amadeus. Oula, oula! On prend rien, je déteste trop les araignées. Désolé, ça devait peut-être se faire en plusieurs fois. J'ai préféré le faire en une fois. Non, c'est pas ça que je voulais. Super. Voilà. On va faire ça avant. Moi aussi j'ai fait les feux hein. Et elles explosent. Bon, on va passer par derrière du coup. Bon, j'ai encore pris un level. Ok, donc ça ne servait à rien. Ça sert à rien. J'ai regardé l'heure. Ou des flèches glacées. Yes. Allez, je vais encore attendre, je vais invoquer un quatrième objet. Ou alors je me fais une charge. Prison pour monstre, ouais. Je vais faire la charge, allez. Ok. Comment on charge? J'ai bien fait de prendre lui, je crois. Ouah, comment il m'est cher! Tu m'énerves, toi, là-haut. C'est où tes PV? T'as des choses de vie, elle est où? Combien j'en ai eu? 3 pour lui. Oh la vache! C'est quoi ce truc qui est utilisé en dessous? Hein? Hop hop hop. On va regarder. Ah merde! Oh, j'ai peur, mais ça tient. Pousse-moi ça. Allez. Voilà. C'est bien, mon pépère. Donc là, il n'y a plus rien. Je peux descendre sur la droite. Et ça glissote un peu, là. C'est joli. Non, il y a un caillou. Dieu. Merci. Je te suis gré.
Allez, voilà. Raté. Voilà. Il y a quoi en dessous? On va aller au-dessus. On va reprendre ça, parce qu'apparemment il n'y a rien d'autre. Ah! Non, on peut pas tomber. Bah. Sérieux, là je suis bloqué un peu là. Enfin, je réfléchisse. D'accord, bah non, j'ai pas réfléchi en fait. C'est ça. Ah, c'est tout. Ah, j'ai cru que je vais avoir réfléchir, c'est abusé. Yalla! Non. Ah là, ça va être chaud les marrons là. Non, c'est trop petit ça. Voilà, ça c'est grand. Ça c'est pas comme ça que je veux. Déjà plus. Non! Bon, tant pis. La façon... non. Ça saute. Bois! Faut beaucoup de bois, hein. Ah, ouais, ouais. Bon bah voilà. Voilà. Allez, je parti. Bon, on est bientôt à la fin, je crois, non? On est où? Ah. Dans les cavernes, Pontius avait ramassé quelques champignons, mais Zoya et Amadeus l'avaient convaincu de ne pas les manger. Amadeus se souvenait que lorsqu'il était encore à l'école, il avait concocté une potion à base de champignons. Évidemment, ça avait mal fini. En sortant des cavernes, les premières lueurs du jour apparurent aux héros. Ok. Wow. Cette aurore est superbe. Le château de Rosabelle ne devrait plus être loin. Ouais, bah je crois qu'on est parti pour l'épisode de 10 alors. Hein. Allez, à tout de suite. Bah tout de suite, non? À la prochaine, du coup. Allez, ciao tout le monde. Ouh.